Jésus-Christ n'a pas changé, il continue de délivrer, de guérir, de restaurer et de sauver les perdus encore aujourd'hui. Ces paroles proclamées par les semeurs au cours de leur ministère du jour connaissent leur effet de vérité incontestable depuis l'ouverture de cette croisade. En ce 26e jour, en plus des 53 témoignages rendus qui l'ont attesté, le Seigneur a encore sauvé les perdus. 37 âmes ont accepté de se repentir de leurs péchés et se réconcilier avec Dieu, et ce, en réponse au message du pasteur Boniface Meynier y afférent. Ainsi, il est écrit. Ainsi, il est écrit. Quand le Christ, it is written. Que le Christ souffrirait. Que il est écrit que le Christ souffrirait. It is written that the Christ will suffer. Et qu'il ressuscitera des morts le troisième jour. Et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. And that he would rise from the dead on the third day. Écoutez. Et que la repentance. Et que la repentance. And that repentance. Et le pardon des péchés. Et le pardon des péchés. And the forgiveness of sins. Sera prêché en son nom à toutes les nations. Serait prêché en son nom à toutes les nations. Would be preached in his name to all the nations. À commencer par Jérusalem. À commencer par Jérusalem. Starting from by Jerusalem. Amen. Jésus, le maître. Jesus, the master. Le Seigneur. The Lord. A ordonné. Commanded. Qu'on prêche dans les nations. That it could be, it should be preached in the nations. La repentance et le pardon des péchés. Repentance and forgiveness. Si on veut obéir à Jésus, if you want to obey Jesus, on doit prêcher dans les nations. We must preach in the nations. La repentance et le pardon des péchés. Repentance and forgiveness of sins. Et toi, tu es là. And you are there. Quand on te dit, il faut te repentir. When they tell you repent, tu dis, c'est la loi. You say this is law. Tu es perdu. You are lost. C'est un ordre. It's an order. Jésus devait souffrir. Jesus was to suffer. Il devait mourir. He was to die. Il devait être enseveli. And he was to be buried. Il devait ressusciter des morts. And he was to rise le troisième jour. On the third day. Et la repentance. And repentance. Et le pardon des péchés. And the forgiveness of sin. Devait être prêché en son nom. Was to be preached in his name. Dans toutes les nations. All over the nation. Si tu es là pour la première fois. If you are here for the first time. Si tu veux obéir à ce message-là. If you want to obey this message. Si tu veux obéir à ce message que Jésus ordonne. If you want to obey this message that is commanded by Jesus. Si tu veux lui donner ta vie. If you want to give him your life. Confesser tes péchés et les abandonner, c'est ce qu'on appelle repentance. Confess your sins and abandon them. This is repentance. La repentance a des étapes. Repentance has steps. Pour un nouveau, pour une âme qui veut être sauvée ce soir. For a soul that would like to be saved this evening. On te propose quatre étapes. We propose four steps. La première. The first step. Tu reconnais tous tes péchés. You acknowledge all your sins. Et tu reconnais que tu es pécheur. And you acknowledge that you are a sinner. La deuxième. The second. Tu confesses tes péchés. You confess your sins. La troisième. The third. Tu décides. You decide de les abandonner. To abandon them. Tu décides you decide de les abandonner. To abandon them. La quatrième, and the fourth, tu fais des restitutions. You make restitutions. Tu fais des restitutions. You make restitutions. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Si tu veux obéir, lève la main. If you want to obey, raise your hand. Avec ces 37 âmes conduites au Seigneur en ce jour, en obéissance à ce message, le nombre des âmes gagnées au cours des 26 jours déjà écoulés de cette croisade s'élève désormais à 1901. Béni soit le Seigneur pour tout ce qu'il accomplit au cours de cette 15e édition de cette croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales à Tiekwa 2023.